I'm talking to all. No matter if you're big or me, no matter if you're small. Run, come, come and say run, come. Come and say run, come, Geneva. Come and say run, come. Come and say run, come. Let us have fun. Well, it was lovely. Wonderful set of people. Geneva love reggae to the max. I realize that more and more. Geneva is the first time I know Al Campbell. Almost 30 years. And it's the first time we ever performed together live. So this goes to show you how much Geneva people are special. Right. And that's why we love you so much. Right. So if you run, come. Come and say run, come. Come and say run, come. Hey! Come and say run, come. Come and say run, come. Come and say run, come. It's a pleasure to be here with the eye and the eye. Yes, I. Yes, I. All things and impresses so nice. Real. The love of Jah will flow in your heart. Reggae. Music is everyone music. Young, old, black, white, pink, purple, and blue. So it's always a joy to see the young ones and the elder folks together in one unity, dancing in the reggae party. Jamu yago jamu yago jamu tonight. Bubble yago bubble yago bubble tonight. Dance yago dance yago dance tonight. Reggae music make me feel so nice. Ragamuffin, ragamuffin, rough. Ragamuffin, ragamuffin every time. Take it down. Now look up, Ryan man is there. Sense of pride, but if I have to cry and plead for your sympathy, I don't mind, cause you mean that much to me. Ain't too proud to beg, sweet darling, please don't leave me, girl, don't you go. We are the future. We make it possible that we can come start doing the thing now. All these young artists that coming up. You have some local artists are good. Ce qui est assez fou en fait dans cet événement, c'est que à la fois c'est gratuit, mais à la fois l'organisation elle est rodée de manière ultra professionnelle. On est accueilli vraiment dans un cadre au top, il n'y a rien à dire. Tout l'accueil artistique, tout ça, c'est vraiment technique. C'est au top quoi. Et c'est même mieux des fois que dans des festivals qui sont énormes avec de beaucoup de moyens. On demanderait presque des fois pour qu'on paye. C'est ça. Certains trucs. C'est ça. Alors que là, tu te dis ah bon, bah, c'est gratuit, mais attends, moi je vais là. Hein, on a envie de payer pour jouer ici. Tous les musiciens en fait à la base jouent d'autres styles. Et on s'est regroupés nous autour du reggae, mais ils vont venir par exemple du rock, de la funk, de la world music. Certains ont la formation classique conservatoire, d'autres ont joué dans d'autres groupes. Enfin, on est tous très différents quoi. Et on s'est vraiment regroupés autour de ce projet dans le reggae. Mais on a gardé ces influences, on peut pas les enlever, donc on les ressent. On a voilà, les petits solos de guitare un peu plus rock, les petites mises en place un peu plus techniques. Enfin, tout ce que voilà, la musique, la culture européenne, je dirais, de la musique a. Parce qu'on a écouté du rock, on a écouté du hip-hop, on a écouté de la musique africaine, on a écouté tout quoi. Donc ça ressort forcément quoi. Pour moi c'était une expérience assez particulière. On était sur scène, on avait froid. Alors on n'imaginait pas que c'était pour le public. Puis au début ça allait, il y avait du monde, un temps encore clément, froid mais clément. Et tout d'un coup, la pluie qui tombe. Et moi j'en revenais pas de ce que je voyais devant moi. Des trompes d'eau qui tombaient sur le public. Je voyais des amis emmitouflés qui faisaient des espèces de vagues sourires quand ils pouvaient. Et en fait, ça a un peu épuré le public pour uniquement les plus fervents. Et ça a fait une expérience tout à fait vraiment particulière de gens qui étaient en feu, je trouve. Et nous, sur scène, c'était la même chose. Genève a besoin de ce genre de festival. Et
Bah là, il y a l'avantage. Déjà l'année passée, j'avais rencontré les musiciens du Homegrown ici. Et puis cette année, les Besiders. Il y a des interactions entre les musiciens qui sont très très bonnes dans un backstage comme celui-là. D'autant plus quand on est aussi bien accueillis. Bah, ça réunit les gens ensemble. Les réseaux qui se forment. Et voilà, ça forme les réseaux. Bah, merci de nous suivre. On a vu qu'il y en avait 2-3 qui commençaient à connaître les paroles de nos chansons. Ça m'a beaucoup, beaucoup touchée parce que je me revoyais il y a 10 ans devant des groupes locaux en train de chanter les chansons par cœur. Ça m'a vraiment touchée. Alors je dis continuez, venez nous voir. On a fait peu de concerts et puis ça fait très plaisir de voir un public déjà très motivé comme on a vu ce soir. Il y a 2-3 ans, on a décidé de former un groupe de reggae avec l'objectif de faire du reggae roots, c'est-à-dire vraiment le reggae des années fin 60, 70, 80. Le but, c'était vraiment de faire ça, de jouer ce style-là, autant des reprises que des compos, mais on a commencé par des reprises. Et puis l'année passée, il nous manquait la base, quand même le chanteur, et on est tombé sur Nello B qui a été OK pour jouer avec nous. I lift my eyes way up to the hill from whence cometh my help. My help is coming from Jah. Le but c'est vraiment donc de jouer le style du reggae roots, mais avec un accent aussi bien mis sur les cuivres qu'on estime indispensable pour que le son sonne bien roots. Whole idea is to present to the public the real foundation music, the real music of reggae. Au-delà de tout ce que j'ai dit, ce que j'apprécie aussi beaucoup en fait, l'opportunité d'être ici, c'est voilà, on peut côtoyer un festival, un petit festival en somme toute, mais avec des talents comme Cédric Myton, Hugh Brown, et ça, le fait d'être là et puis de 2 mètres à côté, de voir Hugh Brown qui nous dit un mot par rapport au soundcheck, c'était cool, machin. Voilà, être dans une petite atmosphère comme ça tous ensemble, c'était super appréciable. Et bah merci à tous ceux qui nous soutiennent, ça fait vraiment plaisir déjà d'en être jusque là. On espère en rencontrer plein d'autres et puis toujours avec le smile comme tu l'as dit, toujours dans le positif, même s'il n'y a pas que ça sur Terre et qu'on le dit aussi, il faut militer. Mais voilà, Marginal Syndicate, un petit peu différent, mais dans la tendance, c'est ce qu'on essaie de faire pour le plaisir de ces messieurs-dames. Et on espère bien revenir dans quelques années ici aussi. Oh oui. Voilà, et on souhaite une longue vie d'ailleurs au festival Plein les Watts. C'est ça. Merci beaucoup. From the hospitality that I got here, from the organization, the whole staff, you know, it was wonderful, exceptional. So I give thanks for their support, the energy, the time. Geneva, Alchemy and New Brown, we love you. Mwah.